l'ICAM a choisi de s'implanter à Douala, au Cameroun, puisque c'est la capitale économique non seulement du Cameroun, mais de la sous-région Afrique centrale. C'est une ville d'à peu près 3 millions d'habitants avec un tissu industriel très développé puisqu'on est sur une économie diversifiée. Les entreprises françaises occidentales sont assez présentes au Cameroun et dans la sous-région. Alors le parcours ouvert, avant tout, on a souhaité l'ouvrir à un cursus bilingue puisque le Cameroun est à la fois francophone et à la fois anglophone. Donc dans la première promotion, on a un tiers de l'effectif qui vient des zones anglophones. Donc ce qui fait que dès maintenant, on a des temps experts en anglais, des temps experts en français, des PBL entiers en anglais, des PBL entiers en français. Parce que l'anglais, c'est la langue internationale, nous avons besoin de connaître l'anglais. L'anglais, si nous ne pouvons rien faire sans l'anglais, même les grandes conférences se passent en anglais. Et c'est vraiment important, c'est même primordial pour un ingénieur de comprendre l'anglais et de parler couramment. Dans le parcours ouvert, n'est-ce pas, il y a cet échange avec l'international, c'est-à-dire nous avons la possibilité d'interagir avec des gens d'autres cultures et d'apprendre aussi de ces mêmes personnes. C'est-à-dire il y a le Cameroun et surtout entre le Cameroun et la France. Nous, on fait la pédagogie par l'approche PBL. PBL qui veut dire Problem-Based Learning. L'étudiant apprend par lui-même déjà et ça, c'est déjà un plus parce que nous faisons 80% et les enseignants font 20%. Moi, je suis issu du système classique, conventionnel, où on donnait des savoirs et après, on ne savait pas forcément les utiliser. On a une situation réelle de la vraie vie et puis on va vers les savoirs. Et ce qui fait que la démarche des problèmes au savoir se fait naturellement, c'est l'initiative de l'étudiant. Pour les étudiants, ce n'est plus un fardeau, le savoir qui est dispensé, mais plutôt un préalable à la résolution d'un problème. Et là, ça se fait naturellement. Je pense que c'est ce qui explique le succès de la formation, voilà, cette approche pédagogique-là. Ok, ceux qui ont déjà fini, suivez-moi. Oui. Pour que la terre ne soit pas trop sèche. La terre est ici. Le fait qu'on réalise cette formation en parfaite synchronisation avec les sites français, la conception des programmes se fait avec des enseignants également de Douala. Donc c'est une très grande opportunité de concevoir ces programmes tous ensemble et d'apporter des points de vue aussi différents sur la manière dont on pourrait former des ingénieurs, que ce soit en Afrique ou en France.